ça va dire tout qu'on a qu'à wani parmi you ti wat panta in racing. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au temple de Panta in racing à Samut Sakon. So, et je vais vous montrer juste après ça le marché de Panta in racing et nous allons prendre notre petit déjeuner. So, je vous retrouve juste après ça. C'est l'heure de manger. Alors, un petit cow pat guy, le kai dao. C'est un riz frit au poulet et un œuf sur le plat. Voilà. Alors, bon appétit. On va tester ça tout de suite.
Ça va être terrible. On met un petit peu de sauce pimentée. Un petit peu. On prend le citron vert, Manao. Et bon appétit. Marc, c'est très chaud. Allez, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Bonjour, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est ce temple Pantai Narosing. C'est un endroit où une maison a été construite en l'honneur d'un des soldats du roi, le barreur d'un de ses bateaux, qui a été décapité. Et le roi a fait construire cette maison. Il a été décapité sur ordre du roi, mais le roi ne voulait pas le faire. L'histoire est qu'il barrait le bateau avec le roi dedans et malheureusement le bateau a fait naufrage parce qu'il a eu peur que quelqu'un attaque le roi de Thaïlande. Donc il a pris un autre chemin beaucoup plus dangereux et le bateau s'est échoué. Comme il avait fait des fausses manœuvres, les généraux et les de cette époque-là ont demandé sa mise à mort. Le roi ne voulait pas. Et le soldat lui-même a dit, vous devez le faire, sinon, et de me mettre en exemple. Sinon, d'autres personnes s'en prendront peut-être à vous ou feront des choses mauvaises. Donc le roi a fait construire la maison tout en bois, il y a 318 ans exactement. Et depuis 71 ans, un temple à sa mémoire a été construit ici. Dans ce temple, comme vous l'avez vu, il y a un petit marché avec de la nourriture. C'est là que nous avons pris notre petit déjeuner ce matin. Et en plus, il y a
une mangrove derrière où ils essayent de replanter totalement la mangrove de Samut Sakon. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais me rafraîchir un petit peu avec un citron glacé parce qu'il fait très très chaud. Même si c'est le matin, il fait très très chaud. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. Pensez au pouce bleu, à vous abonner et partagez sur vos réseaux sociaux. Bye bye, au revoir.